Moi, je suis pour une nouvelle vidéo sur les Navajo sur ma chaîne YouTube Jean Donati où voilà comme les deux vidéos précédentes, on va continuer le cours sur les Navajo. C'est parti. Alors, au 20e, 19e et 20e siècle, enfin je sais pas si vous savez, les chiffres romains ne sont pas, je suis pas très fort dans les chiffres romains, mettez dans les commentaires pour me dire c'est quoi exactement ces signes. Alors, je vais continuer à lire. On pense que les Navajos venaient du nord et se sont installés dans le sud-ouest des États-Unis au cours des chiffres romains, on va dire. Les Navajos était devenu un peuple pastoral avec une économie fondée en grande partie sur l'élevage et la chasse. Depuis les chiffres romains siècles, les Navajos entrèrent en conflit avec les colons espagnols et les mexicains au chiffre romain. Et au début du chiffre romain siècle, leur contact, excusez-moi, parce que je sais dire les chiffres romains, mais en fait voilà. Les premiers chiffres, mais je prendrai des cours moi aussi sur les chiffres romains. Alors, j'en étais. Voilà, revenons à nos moutons. Leurs contacts avec les Espagnols furent limités mais importants. Ces derniers introduisent les chevaux, les moutons et les chèvres qui devinrent des éléments vitaux de l'économie navajo. En 1846, les Navajos conclurent un premier traité avec le gouvernement des États-Unis, mais des accrochages avec les troupes américaines entraînèrent des hostilités en 1849 et des combats répétés jusqu'en 1863. Cette année-là, les forces américaines dirigées par Kit Carson lancèrent une vaste campagne contre les Navajos. Au terme d'une campagne d'une grande brutalité, Carson se félicite d'avoir tout détruit dans les villages, pas seulement tué les gens, mais encore anéanti. On va sauter cette étape. Plus de 2 millions de livres de grains indiens, les Navajos capturés furent envoyés à pied dans la réserve de Fort Sumner au Nouveau-Mexique. Ces déportations. Cette déportation est connue dans l'histoire navajo comme la longue marche en une seule semaine de 1864. 126 moururent à Fort Canby. Eh ben, des maladies et des privations. Attendez, je descends juste un tout petit peu. Alors, en 1866, plus de 2000 des quelques 10 000 captifs étaient déjà morts. À la fin des chiffres romains siècles, les Navajos prospéraient, la population avait doublé et des terres supplémentaires furent encore annexées à la réserve, comme il s'agissait généralement de terres pauvres. Les étrangers firent peu de tentatives pour envahir la réserve. De sérieux problèmes d'érosion du sol et de pâturage intensif dû au développement considérable du cheptel poussèrent le gouvernement américain à imposer aux Navajos un plan de réduction de bétail au cours de la Seconde Guerre mondiale. Bon nombre d'entre eux quittèrent la réserve pour servir dans l'armée ou pour travailler dans les villes à des et à la guerre. Ça veut dire que il y a encore des Navajos, des Indiens Navajos. Et ça, c'est bien qu'il y ait toujours encore des Indiens Navajos. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des followers. Si un j'aime égale 100 pouces, des commentaires, abonnez-vous comme ça, je m'abonne. Et surtout, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour voir d'autres vidéos. Ciao tout le monde, à tout à l'heure.